Bonjour les amis. Eh bien, ce dimanche soir, en tout cas si vous regardez la vidéo euh, le dimanche, comme chaque éding euh, policière, chaque cold case euh, que je fais, que je traite, c'est le dimanche. Je souhaiterais donc aborder euh, une ancienne affaire qui date de 1983. Qu'on m'a demandé, hein, je vous le dis tout de suite, on m'a demandé cette affaire. C'est celle de Ludovic Janvier. Un garçon de 6 ans et demi qui disparaît à Saint-Martin d'Hier. saint martin dair pardon. Il est vu pour la dernière fois place de la République, alors qu'il rejoint le domicile familial avec ses deux frères, Jérôme et Nicolas. Il est parti, enfin ils sont partis chercher des cigarettes pour leur père. Alors plusieurs témoins décrivent un homme vêtu d'un bleu de travail et de chaussures d'usine qu'il les aurait abordés. Et toujours pareil, il leur aurait dit, j'ai perdu mon chien, aidez-moi à le retrouver. Un garçon part dans un sens, un garçon part dans l'autre, et Ludovic reste avec l'homme. On ne reverra pas Ludovic. On ne le reverra pas, mais que s'est-il passé finalement Eh bien c'est ce que je vous propose de regarder avec l'oracle de Béline. Mais pour info, et que les choses soient claires à ce stade, officiellement, personne ne sait si Ludovic est vivant ou mort. Tout ce que l'on sait, c'est que la famille n'a plus aucune nouvelle et qu'il n'est réapparu nulle part. Officiellement, parce qu'officieusement, bien sûr, euh, il y a cette histoire où infirmi... une infirmière de Reims aurait reconnu euh, Ludovic. C'est à prendre avec des pincettes parce que les erreurs peuvent toujours arriver. Elles peuvent arriver dans la vie réelle, elles peuvent arriver en voyance, c'est vrai aussi, faut le reconnaître. Reste que pour autant, on va essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Et le point de départ finalement il est Ludovic et ses deux frères reviennent de faire des courses d'acheter des cigarettes pour leur père. Un homme les aborde. Voilà tout ce que l'on sait Et puis le fait qu'ils disent j'ai perdu mon chien et eh bien pour ceux qui aiment les séries policières je crois que ce scénario là on l'a vu dans plein 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 de, de séries récentes je parle pas des séries des années 80, je parle de séries récentes. Euh, je me souviens d'un épisode de cet esprit criminel où on avait ce phénomène-là. Et c'est sûrement arrivé pardon, dans d'autres séries. Alors on ne peut pas dire que le j'allais dire le, le kidnappeur l'ait fait à l'époque en visionnant les séries. Les séries sont bien euh, ont bien été émises post ces événements. Ce que je vais me poser comme question, c'est que finalement déjà, qui est ce qui n'a peur La carte ne veut pas venir, je vais en prendre une autre. Pour moi, c'est quelqu'un qui est arrivé dans la région. Pourquoi je vous dis ça Il vient un petit peu comme une nouvelle, comme un courrier. Il arrive. S'il arrive, c'est qu'il n'est pas déjà là. Qui est-il, dans le contexte, un nouveau venu dans la région Que fait-il dans la vie cet homme Alors que fait-il Vous voyez, la carte déjà me répond un tout petit peu à côté. Oh, elle me répond quand même, hein Mais avec cette carte vénusienne et cette carte passion, j'ai plus le sentiment d'un solitaire, qui est plus là pour assouvir ses passions. Lugubres certes les passions. Qui sont plus des pulsions. C'est un homme qui enlève euh, ses petites victimes. C'est un pédophile, disons-le disons -le clairement. Il cède à ses pulsions. C'est déjà ça qui le préoccupe plus que toute autre chose. Plus qu'un travail ou plus qu'autre chose. Alors ça, ça nous campe un petit peu le personnage. Maintenant, je vais m'intéresser encore à lui, même si c'est pas sincèrement c'est pas la personne la plus intéressante du monde. Euh, mais nous sommes dans une enquête policière entre guillemets. Hein, quand je dis nous sommes, euh, nous essayons de, de en parallèle, de, de mener cette enquête. Je vais m'interroger sur ce qu'il est de, devenu. Comment a évolué ce qu'il n'a peur? dans le temps, dans sa vie, dans sa vie d'adulte. Alors, la question est vaste euh, parce que elle me demande une évolution sur une vie d'adulte de quelqu'un. Un kidnappeur, en tout cas. Là, il est prouvé que le petit Ludovic, bien sûr, s'est fait enlever. Ça, ce n'est pas, pas une fugue. C'est prouvé, il a été enlevé. Donc ce qu'on essaie de comprendre c'est comment il a pu évoluer. En faisant un tirage en croix comme ça, j'essaie de retracer les grandes lignes. Bien sûr ça ne va pas me dire il a déménagé à tel endroit pour aller à tel autre, etc. Non. Mais ce que j'essaie de voir, de ressentir c'est comment il a pu évoluer. On ne sait pas son âge, hein, attention. Si dans les années 80 il avait ne serait-ce que 30 ans, eh bien... Je dirais qu'il peut être encore en vie. C'est un peu ça que j'essaie de savoir. Alors, vous voyez, j'ai demandé comment était-il dans sa vie d'adulte. Pour moi, c'est quelqu'un qui a eu dès le départ un choc. Un choc que j'appellerais psychologique. Ce n'est pas pour lui trouver des excuses, bien sûr que non. Mais j'ai le sentiment de quelqu'un qui a vrillé, qui est parti euh, dans une autre direction, dans un autre chemin. Je dirais que c'est quelqu'un qui a perdu ses parents. Peut-être quelqu'un qui était renfermé chez eux. Pas enfermé, mais renfermé. Qui était peut-être un peu sous la coupe de sa mère. Je le sens dans cette coupe de sa, sous sa coupe de sa mère, presque... Le fils à le, le sa maman, vous voyez, c'est un petit peu péjoratif ce que je dis, mais vous voyez cette idée, je ne sais pas l'exprimer autrement. Quelqu'un qui était surprotégé par sa mère, peut-être étouffé aussi. Ses parents décèdent et il n'a plus rien d'autre. Et effectivement, il quitte ce, il quitte l'endroit où il était, et il part dans une autre errance. Il part, il s'en va, il va ailleurs. Il commence une nouvelle vie, finalement, pour le plus grand malheur de ses victimes. Mais, mais tant qu'il était chez ses parents, rien ne se passait. Il a le sentiment que tout ça n'est qu'une trahison. Et quand je vous disais qu'il était perturbé par, le, par la mort de sa mère, euh, par la désespération de ses parents, il se sent trahi. Alors qu'on sait tous que, bien sûr, la mort fait partie de la vie. Euh, nous sommes des gens, on va dire, sensés. Il ne raisonne pas comme nous. Il se laisse totalement déborder par ses émotions et par ses instincts. Il tourne le dos à tout ce qu'il avait connu. Il tourne le dos à tout ce qu'il connaissait, tous ses repères. Mais aussi il tourne le dos à tout ce qu'il étouffait chez lui. Parce que tout était déjà là. Sauf que ses pulsions, elles étaient enfuies. Et que la mort de ses parents, c'est le déclencheur. Le conseil c'est de faire soigner sa maladie, parce que c'est bien une maladie qu'il a. Alors attention, ce n'est pas bien sûr une maladie comme un rhume. Euh, et là encore, je ne cherche pas à trouver d'excuses à ce, à ce délinquant. C'est assassin, parce que quelque part, il est... Je le ressens comme un assassin. Non. Mais en se faisant soigner, il n'aurait pas fait de victime. C'est surtout ça que nous dit le tarot. C'est là que ce que suggère l'oracle. C'est qu'en se faisant soigner, il n'aurait pas pu euh, faire de mal à autant de familles, parce que j'ai le sentiment qu'il n'est pas à son coup d'essai. Et regardez ce tirage. Je n'ai pas retourné cette carte. Tout est placé sous le coup des émotions. Vous qui suivez mes tirages régulièrement, posez-vous la question combien de fois c'est arrivé ce genre de tirage où tout est placé sous le coup des émotions. Et vous voyez qu'ici nous sommes dans la constance. La constance c'est ce qui représente les hauts et les bas, c'est ce qui représente une instabilité. On fait, on fait pas. Celui qui a agressé le petit Ludovic Janvier n'est pas un amateur. Il n'en est pas à son coup d'essai. C'est une personne qui a fait d'autres enlèvements de ce type. Peut-être en utilisant exactement d'ailleurs les mêmes artifices. Le chien qui s'en va, j'ai besoin de le retrouver. Aidez-moi. Quel enfant pourrait refuser d'aider à chercher son chien Pensez-y à ça. Et pour moi, je vous le redis, ce n'est pas quelqu'un qui en est à son coup d'essai. Et malheureusement, il n'a pas été arrêté. Personne n'a arrêté cet homme. Pourquoi personne ne l'a arrêté Parce qu'il a sur lui les lauriers de la réussite. Une réussite, bien sûr, que personne ne voudrait voir. Mais c'est aussi quelqu'un, avec cette carte de la réussite, qui finalement a réussi des choses dans sa vie. Bon, bien sûr, ce n'est pas quelqu'un de connu, ce n'est pas, pas une tête d'affiche, ce n'est pas quelqu'un de... Oui, de connu, je dirais. Mais je dirais que c'est quand même quelqu'un qui socialement, paradoxalement, a réussi. Donc vous voyez, moi pour moi, ce qui me gêne, c'est que cet homme ne s'est pas fait arrêter. Donc... Des tueurs en série, on en a quelques-uns. On a le Landais, on a Francis Holm, Guy Georges par exemple, Émile Louis. Vous voyez, tous ces tueurs-là qui ont fait beaucoup de mal ont été stoppés. Pas cet homme. On va essayer d'avoir d'autres indications. On va déjà se demander quel serait le conseil à donner aux enquêteurs pour pouvoir trouver qui était ce, cet, euh, ce coupable, cet homme. Déjà, on leur conseille de continuer. De continuer, de ne pas lâcher cette affaire. Ce qui sous-entend plusieurs choses. Si l'oracle nous dit qu'il faut continuer l'enquête, c'est que la solution pourra être trouvée. Mais on est encore à nouveau sous le signe des émotions. Est-ce qu'il sous-entendrait qu'il faut reprendre des émotions, il faut reprendre des enquêtes, il faut reprendre le point de départ et avancer un petit peu comme on avance au fil de l'eau, qu'on avance au fil des enquêtes et ne pas se laisser placer sous les émotions, mais de comprendre chaque émotion. Et si l'oracle nous parle de comprendre les émotions? Ce n'est pas qu'une histoire de témoins. J'ai le sentiment que quelque part, dans les enquêtes, des personnes l'ont vu, sans forcément comprendre qui il était. Mais des personnes directement touchées par les émotions, donc des personnes de famille, peut-être... Par rapport à cette affaire, tout simplement, les deux frères pourraient le reconnaître. Mais qu'évidemment, ils étaient petits aussi. Ils étaient petits et forcément, les émotions étaient grandes. Mais l'enquête doit pouvoir reprendre, car ils trouveront. S'ils le reprennent, les enquêteurs trouveraient. C'est le conseil qu'il faut leur donner. Alors maintenant, on pourrait se demander qu'est-il devenu Ludovic Cela fait quand même euh, depuis, depuis les années 80. Hein, cette histoire, elle est. Elle date de 83, on est presque à 40 ans, on est à 39 ans. Ce qui veut dire que Ludovic aurait 45 ans à l'heure actuelle. Quelle est l'évolution de Ludovic Je veux savoir s'il est vivant en fait, hein, c'est ça ma question. Mais je ne vais pas demander directement à l'oracle est-il vivant ou, ou ne l'est plus C'est pas une question intéressante si vous voulez le oui non. Je préfère une question ouverte qui va me permettre d'avoir plusieurs aspects. Et vous voyez que là, on est bien sur le point de départ, l'ennemi, la carte martienne, l'action. Quelque part, un homme vient le prendre, comme ce serpent qui s'entoure autour de cette épée. On sent quelqu'un déjà de toxique qui vient le prendre. Donc on n'a à nouveau pas quelqu'un... Vous euh, voyez, je vous ai parlé d'un récidiviste, ou en tout cas je vous l'ai fait comprendre, je suis bien sur un récidiviste. On n'est pas sur quelqu'un qui, qui en est à son coup d'essai. Mais nous parlons de l'évolution de Ludovic. Plus grande passion pour lui à partir de là. On sent quelqu'un déjà déteint. Je regarde un petit peu toutes les cartes pour vous parler de cet aspect-là. Non, malheureusement, vous voyez avec cette carte, vol-perte, pour moi, j'ai plus d'espoir pour Ludovic. Pourtant, il y a eu quelque part, il n'a pas été... Il n'a pas trouvé la mort tout de suite, Ludovic. Mais là, vous voyez, les gens le sentaient sans plus de passion, presque éteint, comme je vous ai dit. Et le conseil aurait été peut-être plus dans l'acceptation, de l'horreur, bien sûr. On a l'intelligence, il a essayé quelque chose. Mais avec cette carte, à la fin, Volpert, en perdant cette communication, je ne le sens plus parmi nous. Alors cet homme, ce qui peur, déjà je vais me demander où se trouve le corps de Ludovic. Parce que je pense que les familles ont besoin de savoir où se trouve le corps de Ludovic. On est dans une grotte. On est dans une grotte où un repère, il y a un repère de chauves-souris. La grotte est longue. La grotte est longue comme le temps peut être long avec cette planète Saturne, avec ce sigle saturnien. Nous sommes dans une grotte avec des... Vous voyez tout de suite cette espèce de, de bestiole pendue par les pieds, un petit peu comme on se représente des euh, chauves-souris. Où se trouve cette grotte Dans un terrain accidenté, compliqué d'accès. Il n'est pas impossible d'accès, bien sûr, mais il est compliqué d'accès. Le terrain est accidenté, difficile, peut-être en haut d'une butte. Peut-être y a-t-il des pierres encore autour. Et quand je dis peut-être, c'est une façon de parler. Il y a un arbre couché tout près. Maintenant, je vais juste essayer de m'attacher. De m'attacher à la personnalité encore une fois. De, de, ce, de ce tueur plutôt que la, la personnalité est plutôt m'attacher à ce qu'il a pu faire encore parce que peut-être trop souvent on passe à côté d'affaires et on ne fait pas les liens quelle affaire peut-on De quelle affaire peut-on rapprocher ce tueur encore À des affaires où il y, a toujours, il y a toujours une discussion entre la victime. Vous voyez avec ce sigle mercurien, on a toujours un lien qui se crée entre la victime et le et le tueur. Les enquêteurs devraient regarder les modes opératoires. Ceux où ils savent, dans la mesure du possible bien sûr, où ils savent qu'il y a eu une discussion entre l'enfant enlevé et une personne au départ qui recherchait son chien. C'est déjà arrivé. Il y a déjà eu d'autres affaires du même type. Et avec ces points rouges ici. Avec ces points rouges et ce soleil ici. Comment ne pas penser à l'affaire Ranucci Il existe pour moi un lien entre le cette affaire Ranucci Et cette affaire de Ludovic janvier. Il existe un lien entre l'assassin. C'est le, le même. Voilà les amis. J'espère que ce tirage vous a intéressé. Et si c'est le cas, n'hésitez ben, pas à le partager. C'est important pour la chaîne. Euh, n'hésitez pas à commenter et puis à mettre euh, à valider avec le pouce levé. Euh, N'hésitez pas à liker, comme on dit. Hein. Euh, plus vous serez nombreux à liker ces vidéos, plus la chaîne se mettra en avant, et plus euh, la chaîne sera en avant, et eh bien plus les de euh, la chaîne pourra progresser, pourra continuer à vivre. C'est important. Hein. Euh, bien sûr qu'il y a des retombées avec la publicité. Je sais que certains s'en plaignent. J'en je, suis désolé. Mais avec cette publicité, et eh bien c'est ce qui me permet aussi de pouvoir offrir de la voyance. à au plus grand nombre à ceux qui en ont besoin rappelez-vous je fais de la voyance gratuite euh, par mail posez-moi une question précise donnez-moi votre date de naissance j'y répondrai je prends du temps c'est vrai pour répondre je ne peux pas répondre en, en, en un claquement de doigts j'essaie d'améliorer ça ça arrivera bien sûr mais gardez à l'esprit que en regardant la, la vidéo euh, même si vous appelez les publicités ça c'est pas grave mais cette publicité, j'en ai besoin. J'en ai besoin pour pouvoir continuer au niveau de la chaîne. C'est le seul revenu de la chaîne. Hein. Euh, et cette chaîne, bah, elle a besoin de, de fonds pour fonctionner, tout simplement. Il faut le comprendre. Euh... Voilà, je n'ai pas d'autre solution pour l'instant, mais c'est ce qui me permet aussi d'offrir de la voyance gratuite au plus grand nombre. Et ça, j'espère que vous le comprenez. Voilà les amis, je vous donne rendez-vous à très bientôt, je vous embrasse tous et, et bien bientôt.